y a un nouveau gouvernement, donc on a proposé quelque chose de nouveau gouvernement. Maintenant, je pense que toutes les organisations syndicales verront la copie, et en fonction de la copie, on verra si effectivement ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Moi, je laisse la chance à ce gouvernement, et puis on verra bien en fonction des événements. Mais de toute façon, je pense que l'intersyndicale reste toujours quand même dans l'action, toujours vigilant, et puis on ne lâchera pas, que ce soit la droite ou la gauche. De toute façon, on sera là, on est encore là aujourd'hui, on le montrera encore dans d'autres actions, parce que depuis le début du conflit, on fait une action par semaine, donc ça montre bien notre détermination, et toujours dans le cadre de l'intersyndicale. Donc on sera vigilant, on verra bien. Par contre, j'ai oublié de demander votre Serge Pancard. Serge Pancard, Technicien des panneaux. Technicien des panneaux. Merci. Sur la tête. Je voudrais juste voir la à l'entrée au portail. Aujourd'hui, c'est une action symbolique parce que ce qui se passe à Lourdes aujourd'hui, c'est que M. Mittal va défiler avec sa flamme olympique. Pour avoir le droit de défiler avec sa flamme olympique, il a quand même mis 18 millions d'euros. 18 millions qui auraient pu servir notamment au P3 ou au P6 ou à d'autres installations. Et donc, nous, ça nous scandalise. Nous, notre action aujourd'hui. C'est pas nous, qu'est-ce qui symbolise ce P3? Écoutez, le P3, ça fait quand même. J'ai pas en date ça du P3, mais c'est quand même la dureté du travail, la souffrance, mais aussi le bonheur de travailler quelque chose qui est formidable, parce que la France, vous la voyez sortir du trou, je veux dire, c'est formidable. C'est une matière qui est, je veux dire, on y va. Allez, c'est formidable à la vue, et puis on sait que derrière, il y aura des produits de qualité, et que ça va servir nos clients, parce qu'on travaille aussi pour nos clients. Voilà, on sait que sur la Clorange fait des produits de qualité, des produits nobles, on se bat depuis le début pour ça. Et Roland Dion.